soit Le Pen ou Macron, alors c'est pas la même chose du tout. Mais dans les deux cas c'est fini en fait. Le GIEC a sorti un rapport qui dit qu'on a 3 ans pour changer les choses. 5 ans, un mandat de 5 ans, bah voilà. Donc le fait est qu'on est obligé de manifester parce que si on fait rien, bah c'est fini. En fait. Il s'agirait d'arrêter en fait de penser que la démocratie ça se fait seulement dans les urnes. D'accord, il y a eu une élection présidentielle, il y a eu 11 candidats. La gauche a recueilli 32% des voix au total et on a le droit d'être insatisfait par les résultats de cette élection, d'autant que les 18-25 ans ont voté à 33% pour Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, les qualifiés c'est Macron qui a un programme de droite et Marine Le Pen qui a un programme d'extrême droite. Et c'est pas les programmes qui nous respectent beaucoup, nos étudiants. On est un peu oubliés, c'est pour ça qu'on a besoin de faire entendre nos voix. Aucune hésitation. Non, non, non. Alors...